Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous demander, vous priez de rester courtois dans les commentaires. Alors, une nouvelle a fait rage sur les réseaux sociaux. Une vidéo selon laquelle Dadis Camara aurait fait une crise et serait évacué de toute urgence dans une clinique médicalisée. Alors, d'après nos analyses et vérifications, il savait que ceci n'est qu'une intox, car notre correspondant sur place a pu nous rassurer que le président Dadis Camara souffre d'une légère grippe et d'un palu, et ce dernier serait bel et bien dans sa cellule à la maison centrale de Conakry. Nous comprenons donc que ceux qui ont propagé cette rumeur sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes à soifées du buzz. Alors nous pouvons classer cela comme étant un fake news, car nous savons que le président Dadis Camara est bel et bien dans sa cellule, car notre correspondant sur place l'a confirmé. On comprend que d'après les graves révélations au procès, Dadis Camara a dit qu'il ne se sentait pas bien et d'autres ont profité pour dire qu'il a eu une crise et qu'il serait évacué de toute urgence. Alors nous sommes là pour éclairer votre lanterne et vous rassurer sur ce qui se passe en ce qui concerne la santé du colonel capitaine Dadis Camara. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonné et scotchez à la chaîne. Partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.